Dans la mesure où l'Europe voudrait plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc., votre estomac est encore trop faible, l'Afrique, elle, dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. Ce n'est pas vous. Nous luttions pour l'affirmation de la personnalité africaine. J'insiste là parce que c'était la chose la plus difficile à obtenir plus vis-à-vis des Blancs. Il faut accélérer la lutte pour l'indépendance. C'est possible. Moi, j'ai vu même les Blancs qui se battent pour notre indépendance. Un gouvernement qui tire sur le peuple doit être renversé par le peuple. On a l'impression qu'on veut diviser les Africains pour régner. Ou alors il y a certainement d'autres intérêts plus importants que les nôtres qui font que on ne puisse pas se comprendre. Je combats le communisme et je le combattrai tant que je vivrai jusqu'au bout. Entre dans le PCT les cadres qui acceptent d'abandonner leur classe, qui acceptent de mourir en tant que petits bourgeois et bourgeois pour se mettre au service des masses les plus déshéritées. Ce sont des aventuriers de gauche. Opportunisme. Ne pensez pas que vous venez ici pour préparer votre petit avenir. Votre petit avenir n'est pas concerné. Votre travail dépasse votre propre dimension. Chacun va faire sortir sa véritable veste. Moi, c'était pas celle-là. Elle était grise chez moi. Non, chez moi, c'était rouge, ainsi de suite. Et voilà. Mais puisqu'on a commencé à tricher, ce sont les tricheries qui font qu'il y a des guerres. Ils sont des Congolais, donc ils sont au Congo. Ils ont le droit de continuer à vivre au Congo et d'y travailler. Nous ne pouvons pas les chasser du territoire national. Mais nous ferons en sorte qu'ils ne soient pas au poste stratégique. Cette histoire d'évolution-là, ce qu'ils ont accompli, ne sont pas sûrs de ce qui va se passer.